Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le journal des 19h sur la RTNC. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le pêcheur de Kinshasa dispose désormais d'une coopérative dénommée coopérative de pêche et de commercialisation de poissons de Kinkolé. Cette structure a vu le jour aujourd'hui. Il s'agit de la concrétisation d'une promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, faite lors de sa dernière visite sur le site de Kinkolé. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. La 11e session du Conseil de ministres a également mis un accent sur la contribution de génie militaire dans la construction et réhabilitation des nombreuses infrastructures. Suivez cet extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication, aux médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. La communication du président de la République comportait trois points principaux, à savoir 1. L'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Nyiragongo dans le Nord Kivu viennent de démontrer le savoir-faire de ces corps de l'armée pour les travaux d'infrastructures. L'impliqué contribuerait à coup sûr à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée. La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la confiance et permettra à l'armée, au-delà de sa mission de défense, de contribuer aux efforts de reconstruction. 2. La renégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société Emirati Dubai Port World au sujet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations. Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite. Le taux de contaminés en RDC baisse du jour le jour. Il ne faut pas relâcher avec les mesures barrières. De mesures à prendre pour éradiquer cette troisième vague étaient également abordées au cours du Conseil de ministres de ce vendredi. Et encore une fois, un extrait avec Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Santé publique, hygiène et prévention a informé les conseils de ministres de la diminution progressive de cas de contamination résultat de la mise en œuvre de mesures prises par le gouvernement pour lutter évidemment contre la pandémie à Covid-19. L'intensification de la sensibilisation au respect des gestes barrières ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination permettent au gouvernement de contenir la progression de la troisième vague et d'améliorer nos indicateurs dans la lutte contre la propagation du variant Delta. À la suite des dénonciations des faux résultats de faux négatifs à Covid-19 faites par certains partenaires de l'État congolais, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé avoir tenu une séance de travail le 7 juillet dernier avec les différents responsables des laboratoires des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Au terme de leurs échanges, il a été convenu de faire un état de lieu rapide sur les laboratoires Covid-19, de mettre en place une base de données en ligne, d'élaborer une circulaire avec les directives bien précises, de permettre à l'UNRB de prendre le lead de contrôle qualité de laboratoires effectuant les tests Covid-19 et de rendre accessibles les tests Covid-19 dans les centres de santé étatiques périphériques avec la possibilité de partenariats publics-privés. Toujours en actualité, le vaccin AstraZeneca est-il fiable? Devons-nous continuer à se faire vacciner? AstraZeneca est-il un danger pour la vie? Toutes ces questions ont été posées au ministre de la Santé par le sénateur Che Okitundu qui voulait se rassurer de l'efficacité de ce produit qu'on doit injecter à la population congolaise. Jojo Ndibou pour le reportage. La politique sanitaire de la RDC passée en revue entre le sénateur Che Okitundu et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani.
Les questions liées à la COVID-19 en cette période où la troisième vague dénommée variant Delta exige une certaine stratégie et pédagogie pour convaincre une importante frange de la population. Le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités, mais aussi la population dans son ensemble de se faire vacciner. Même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Il a une stratégie vaccinale qui va mettre en œuvre pour permettre à la République démocratique du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. Étant en vacances parlementaires, le sénateur chez Okitundu en a profité pour plaider en faveur des hôpitaux généraux de référence se trouvant en province, notamment pour l'attribution non seulement des équipements médicaux, mais aussi pour le renforcement en médicaments. Les FARDC ont récupéré des armes sur différents groupes armés lors de la traque de ces derniers dans le Massissi, dans le cadre de l'état de siège. Ces armes ont été remises au gouverneur militaire de Nord Kivu et l'armée a également présenté le rebelle capturé par les rebelles étrangers capturés par les forces régulières. Le reportage est de la presse militaire de Goma. Récupération de ces armes et engins, de la mort et le résultat des opérations des FARDC menées contre les groupes armés actifs dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. À cet effet, le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par les FARDC et les encourage à poursuivre avec détermination la traque des groupes armés. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. C'est 81 armes qui viennent d'être rendus. Dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendus. C'est pour dire que le secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendus, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état de siège. Par ailleurs, le commandant des opérations Sokola 2 a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capturés sur les champs des batailles et différents fruits. Le major Guillaume Diké, porte-parole de la 34e région militaire, a quant à lui livré le bilan des opérations. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellence, monsieur le gouverneur militaire de province, cela prouve à suffisance que le secteur opérationnel Nord Kivu s'est déjà inscrit avec force dans l'état de siège voulu par le commandant suprême de forces armées. Signalons que les gouverneurs de province étaient accompagnés des officiers de l'état-major du quartier général de FARDC avancé, de ses conseils spéciaux récemment nommés et du commandant de la 34e région militaire. En Ituri, même si la province est sous l'état de siège, les militaires ne peuvent se permettre certains dérapages. Quelques-uns ont été condamnés après être jugés pour dissipation de armes et munitions. Poursuivi pour abandon de poste, violation de consignes et incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés et présentés devant la cour militaire de la province de l'Ituri. Siégeant au premier degré en matière répressive, c'est ce vendredi 9 juillet 2021 que ces prévenus auront connu leur sentence. Disons le droit, le premier président de la cour militaire, le lieutenant-colonel Dienga Akelele, a appliqué l'article 7 du code pénal militaire. Tout militaire qui est en temps d'infraction, en temps de fait, abandonne son poste ou viole sa consigne, en conséquence, la cour les condamne au regard des circonstances atténuantes sous-mentionnées. 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes. À 7 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les applications de l'article 7 du code pénal militaire les condamnent à la peine la plus forte, qui est celle de 10 ans de servitude pénale. Il s'y est de rappeler qu'en cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité au sein de forces armées est de mise, où la pitié ne fait pas la force d'une armée. Duralex, c'est de l'ex. Monsieur le premier président de la cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, le garde de séjour est levé. L'audience au premier degré est levée.
Le musulman, l'armée du salut, l'église indépendante, bref, les confessions religieuses veulent comprendre les innovations qu'apporte la nouvelle loi sur la CENI. Elles sont allées s'informer auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga. Le détail de leur échange avec Sylvie Mwembo. La proposition de loi sur les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, le train de vie de la population congolaise, le conflit entre deux camps rivaux se revendiquant la communauté musulmane, autant de sujets abordés par cette délégation des confessions religieuses, à savoir l'église musulmane, l'union des églises indépendantes et l'armée du salut, au cours des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga. La communauté islamique souhaite ardemment qu'on ne puisse pas avoir de perturbations d'ordre politique ou d'ordre social. Nous voudrons que les choses se fassent dans le respect des normes et des règles. L'armée du Sali participe, n'est-ce pas, au développement du pays à travers nos œuvres sociales, mais nous parlons peu et nos œuvres parlent plus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement est resté très attentif à leurs propos. Cette rencontre était l'occasion d'appeler à l'unité des confessions religieuses. Si les confessions religieuses s'informent, les acteurs politiques, eux, sont satisfaits de la promulgation de cette loi. C'est comme l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès qui soutient les innovations contenues dans cette loi de la CENI. Serge Mata nous en parle. À la précédente, cette loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante augmente le nombre des membres de la plénière de la CENI à 15 en raison des 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile. 7 d'entre eux siégeront au bureau qui sera dirigé par un délégué des confessions religieuses. Ce sujet a été abordé au cours de cette brève communication à laquelle la population congolaise a été sensibilisée et appelée à soutenir les innovations apportées dans cette nouvelle loi sur la CENI. Tous étaient unanimes, car il s'agit d'une voie vers les élections sûre et crédible. C'est là dans le respect de la Constitution. Nous rassurons l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale, de pouvoir mettre tout en œuvre afin de soutenir le travail qui a été abattu par notre Parlement et le président de la République qui a dû le rendre valide par la promulgation. C'est la première fois que la représentation de la société civile a été élevée et elle est la plus haute. Cette représentation de la société civile a plus de la présidence de cette institution de gestion des élections depuis les 3 cycles électoraux qui se sont écoulés. La question de politisation nous semble tout à fait inopportune, mais ce que nous demandons de lire, relire cette loi pour que tout un chacun, avant la compétition, que chacun de nous maîtrise les gens qui vont organiser les élections pour nous. Le président de la République, rappelons-le, a promulgué le 3 juillet la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le PNMLS dénonce la vente illégale d'une partie des 100 terrains. Les avocats conseillent du programme national multisectoriel de lutte contre les SIDA interpellent le service compétent à travers une conférence de presse, nous dit Paulette Lomba. Cette conférence de presse, deux avocats conseillent du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, met à nu le scandale qui suscite aujourd'hui les lotissements illégaux et des constructions anarchiques sur le terrain qui, en principe, revient au PNMLS. L'objectif de ces points de presse, c'est pour pouvoir dénoncer la spoliation d'une partie de la concession PNMLS par un groupe de gens qui sont toujours secondés par un avocat. Autant aujourd'hui, nous avons réveillé l'IGF pour l'état des droits, pour le détournement des deniers publics, l'argent. Il faut aussi que dans les domaines fonciers, qu'il y ait une sorte d'IGF, entre guillemets, ça dit qu'il y ait une sorte, ça dit qu'il y ait quand même une commission qui s'occupe des récupérations des biens spoliés. Ça, c'est la spoliation. C'est la spoliation que nous sommes en train de vivre ici. Si ce sont les agents de l'État qui sont là-bas, ils doivent être appréhendés, interpellés et arrêtés. Maître Michel Omba, avocat conseil principal du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, défie ces spoliateurs du bien de l'État et confirme que ce patrimoine est un bien inaliénable.
Redonner une nouvelle image et un nouveau visage à la capitale Kinshasa, c'est l'une des attributions de ZOPJ, de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville qui vient de prêter serment il y a peu. Ils sont également appelés à veiller à la salubrité et à réprimer toutes les infractions relevant de leurs compétences. OPJ de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa ont prêté serment au palais de la justice devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Ce après une formation organisée du 20 au 27 avril 2021 sur un domaine spécifique qui est l'environnement, son historique et la législation congolaise en matière environnementale. La commissaire générale en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, donne l'importance du déploiement de cette brigade à travers la ville de Kinshasa. Sous tous les cieux, nous avons des mesures de contraintes qui existent et je pense que pour la ville de Kinshasa, il était temps. Étant donné que depuis un temps, depuis toujours, nous avons la régie d'assainissement, le fonds d'assainissement, il nous manquait la sanction. Pour ce faire, je tiens déjà à remercier la perspicacité et la ténacité du gouverneur de la ville de Kinshasa qui en est le visionnaire. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de la Gombe, leur a donné une ligne de conduite. Vous avez l'obligation de porter à la connaissance de l'officier du ministère public toute information relative aux faits que vous posez comme officier de police judiciaire. L'objectif est de former des OPJ dans un domaine vital de la vie nationale pour une parfaite réglementation dans la gestion de l'environnement. Toujours dans le cadre d'assainir l'environnement, le rond-point Upen dans la commune de Ngaliema a revêtu sa plus belle robe. Les caniveaux situés aux abords ont été débouchés. C'est le bourgmestre de cette commune qui a supervisé particulièrement cette opération, nous dit Cédric Kenina. Fin août, Dame Bladbluie sera certainement de retour. Pendant qu'on y est, il faut colmater les brèches, déboucher les caniveaux, assurer la gestion efficiente des déchets. La municipalité d'Ngaliema cible les grandes places et impulse l'action à la base, au niveau des responsables de marché et chefs des rues. L'autorité municipale, Dieu merci Maïbazi Luanga, était sur le terrain pour répondre à ses devoirs et soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, portée par la ville de Kinshasa et son gouverneur, Gentil Ngobila. Le rond-point UPN est la première étape. Je suis très satisfait par rapport à l'évolution des travaux. J'ai vu quand même le caniveau qui a été bouché, qui a été rempli d'immondices, est évacué. Donc le caniveau maintenant est libre et pendant la saison de pluie, je pense que l'eau va ruisseler facilement, l'eau va passer facilement. Comme vous le savez, vous tous, que la commune, c'est une commune un peu remplie de collines. Et lorsque l'eau ne ruisselle pas facilement dans les caniveaux, ça peut créer aussi les problèmes des érosions, les problèmes de destruction de la chaussée. Pendant la période de la pluie, il n'y aura pas de problème, l'eau va couler facilement. Et ce que nous pouvons dire à la population de notre contrée de Ipen, principalement du quartier Ngomba Kikusa et Bumba, ils doivent prendre conscience. Les caniveaux ici, c'est pour leur bien. L'autorité municipale en appelle à une conjonction des efforts pour éviter qu'un groupe rame à contre-courant. Autre chose à présent, un accident mortel s'est produit sur le pont Kwango. Un véhicule de marque Ford a pris feu. Plusieurs passagers sont calcinés. Le gouverneur provincial du Kwango est arrivé sur place pour la prise en charge des accidentés et l'inhumation de cadavres. Félix Zaloumeti pour le commentaire. Horreur et chagrin au pont Kwango sur l'axe routier Kinshasa-Kikwit de la nationale numéro 1. Un véhicule de marque Ford a pris feu, causant la mort de 8 personnes sur 21 passagers à bord. Ces véhicules chargés à partir de l'agence Élévation à Kinshasa contenaient aussi du carburant pour approvisionner la ville de Kikwit. Aussitôt informé, le gouverneur de la province du Kwango en mission à Kinshasa a dépêché une délégation provinciale conduite par le vice-gouverneur Noël Lumbu pour se rendre compte du drame et sauver la vie humaine de ce qui pouvait l'être. Noël Lumbu et sa suite ont ainsi amorcé le parcours du combattant partant de l'hôpital de référence du pont Kwango pour s'assurer de l'état de santé des blessés et rescapés. Et c'est avant de poursuivre la visite sur le lieu du drame. La décision est vite prise sur place
pour l'inhumation des cadavres au cimetière de Kikwaku au Pokwangu par la Croix-Rouge locale, doublée de l'évacuation des rescapés vers la destination. Une enveloppe a été remise à chacun d'eux pour s'assurer le transport. La province du Kwango s'interdit désormais d'accorder le passage de tout véhicule embarquant à son bord du carburant et des passagers à la fois dans l'espace de ses limites territoriales. Ils ont eu un vilain plaisir, celui de détourner les fonds publics auprès de contribuables tels que la Régie des eaux. Ces agents de la DGRAD sont tombés dans le filet de la police en collaboration avec l'inspection générale de finances. De travaux d'entretien du tronçon routier Bandundu Bonkoulou Bagata ce vendredi, le ton a été donné par maître Zéphiré Moumango Mounzeï, ministre provincial en charge du budget et représentant les gouverneurs du Kwilu, Willy Ichundala Assan en mission, en présence du député national élu de Bagata, Gary Sakata, quelques membres du gouvernement provincial, les cadres et agents de l'Office des routes et du Bureau technique de contrôle BTC. Pour mémoire, démarré le 11 janvier 2021, les travaux d'entretien de ces tronçons routiers avaient été suspendus. Le 25 février, faute de financement, toujours grâce à l'appui du fonds d'entretien routier, Fonneur en sigle, ces travaux reprennent déjà grâce à la technicité de l'Office des routes et vont consister dans un premier temps à éliminer les points chauds, ensuite les reprofilages et rechargements des sections dégradées, sans oublier l'assainissement de la chaussée. Maître Moumango Mounzeï, gouverneur ad intérim, le député Gary Sakata et l'ingénieur Monsengo, directeur ad intérim de l'Office des routes Kwilu, glissent chacun quelques phrases. Retenez que l'entretien de ces tronçons routiers permettra aux usagers de la route une bonne praticabilité et facilitera l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Ceci entre dans le cadre du programme d'entretien routier 2021. C'était là le travaux d'entretien routier dans la province du Kwilu. La redevance minière produit déjà de fruits dans la province de Lualaba, des engins roulant pour la construction et la réhabilitation de routes, même pour les travaux agricoles, ont été présentés à la population de la chefferie de Bayeke par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka. C'est par les coups de canon, comme la tradition l'exige, à l'arrivée des invités de marque que la cérémonie d'inauguration d'un atelier des engins de terrassement routier et agro-pastoral s'est déroulée sous les auspices du gouverneur intérimaire sur invitation du grand chef Godefroy Munongo Kaneranera. Masuka Saini Fifi a parcouru 209 km en compagnie du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamouni Tumbu Mataïla et de quelques membres de l'exécutif provincial dont Paulin Kalau, ministre AI des infrastructures. Accueilli par une foule immense, la délégation gouvernementale et parlementaire du Lualaba a eu d'abord droit à la présentation du programme quinquennal de la chefferie de Bayeke avant de procéder à l'étape la plus attendue du jour qui était l'inauguration des engins. Fifi Masuka Saini a également été à l'université Msiri où elle a bénéficié des ovations sans précédent de la part des étudiants et du corps académique avant de recevoir leur doléance au rectorat. Masuka Saini Fifi leur a promis le soutien du gouvernement provincial. L'autre étape était la visite de la radio-télé Tankiri du Garengazé de la chefferie où elle a tenu un point de presse. C'est le fruit d'un travail de plusieurs législateurs qui ont travaillé et voilà qui apporte de fruits à la terre où appartiennent les minéraux. C'est ce que nous allons retenir d'abord et pour ça, les félicitations s'imposent à l'équipe qui est en train de gouverner cette chefferie parce que ce que nous venons de voir en termes de pourcentage, nous allons au-delà de la satisfaction. De l'eau potable et de toilettes publiques n'existent presque plus dans la commune de Kimbanseke, c'est dans l'est de Kinshasa. Cela a inspiré Émilie Azabiel de construire de bornes fontaines et de toilettes publiques dans ce coin de la capitale. Question de mettre la population de ce coin dans des conditions plus ou moins hygiéniques comme motif de satisfaction des habitants et du bourgmestre de Kitambo, qui a lui-même, plutôt de Kimbanseke, qui a lui-même inauguré cet ouvrage. Trouver de l'eau potable dans la commune de Kimbanseki, au quartier Munkoka, est un véritable calvaire pour la population de cette partie de Kinshasa, la capitale. Aujourd'hui, ce petit garçon en train de boire un verre d'eau obtenu des robinets de la fontaine et les mamans remplissent leur récipient, c'est une œuvre
de l'Association d'aide et d'assistance humanitaire Azar Asbel. C'est un projet initié et réalisé par Émilie Assabiel avec de maigres cotisations de membres de cette structure. À côté de ces puits d'eau de forage, un autre dispositif, des toilettes publiques constituées de 6 pièces pour hommes et femmes avec des douches. Question de mettre la population dans de très bonnes conditions sanitaires et hygiéniques dans le cadre de Kingo Peto. À la cérémonie d'inauguration organisée ce vendredi 9 juillet 2021, le bourgmestre de Kimbanseki représenté, assisté du bourgmestre de Ndjili, représenté aussi, ils étaient présents pour la coupure du ruban. Merci à l'ONG ASAP pour cette initiative. Un des membres de l'ASAP, Asbel, explique la quintessence de cette œuvre philanthropique. Nous avons pensé à installer cet ouvrage, c'est pour soulager la population de Kimbanseki qui est en train de souffrir. Avant que nous puissions penser à l'inauguration, je vous dis que l'eau est potable. En ce qui concerne le nombre de toilettes, 3 toilettes pour les femmes et 3 autres pour les hommes. Pour l'initiateur de ces projets, un seul doigt ne peut jamais nettoyer tout un corps, d'où l'appel à l'appui du gouvernement en vue de multiplier ses ouvrages à travers tout Kinshasa. Le plaidoyer à l'endroit des autorités a été lu au début de la manifestation. C'est un peu tard dans la soirée d'hier que le corps du directeur général de la RTNT, Ernest Kabila Ilunga, est arrivé à Lubumbashi où il sera inhumé. La RTNT au Katanga, sa famille biologique et plusieurs personnalités étaient à l'aéroport de Luano pour recevoir ce corps en vue des derniers hommages. Le moment fort de son arrivée à Lubumbashi dans ce reportage. C'est tard, dans la nuit, aux environs de 21h de ce vendredi 9 juillet 2021, que l'appareil qui transportait le corps d'Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, atterrit à l'aéroport international de la Luano. Les membres des familles de l'illustre disparu, les amis et connaissances, quelques journalistes de la RTNC Kinshasa ont accompagné le corps de la capitale à Lubumbashi. La douleur était perceptible, même parmi les journalistes de la RTNC au Katanga. Tous pleuraient la disparition brutale d'un être cher. Le gouverneur de province Jacques Abolakato était valablement représenté par le ministre de la charge de la communication et médias, Ars-Joseph Kayumba. De l'aéroport, le corps a été déposé à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco en attendant son inhumation qui interviendra selon le programme ce dimanche 11 juillet 2021. La grande édition de ce soir vous sera présentée après le match que vous diffusera la télévision nationale dans le cadre de spécial CAF Champions League finale Raga de Casablanca et Jeska. Quant à moi, je vous dis merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.